Ok. Le gros. Quand tu t'énerves. Quand tu t'énerves, quand tu t'énerves, quand tu. Bon, gros, vas-y, casse-toi! Oh, calme-toi, calme-toi! Calme-toi! Salut l'équipe, c'est Mikalash. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'avais sorti un tout nouveau clip. Donc, il est disponible sur ma chaîne Mikalash Music. Je vous mettrai le lien en description. Merci à tous ceux qui viendront donner de la force. Gros big up à vous. Je vous passe un petit extrait et après, je vous laisse avec la vidéo. Partons d'ici, je t'emmène avec moi. Je te certifie qu'on ira là-bas. Pour une balade, juste toi et moi. Je suis malade, un avenir sans toi. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On sera accompagné de notre caméraman Armano. Il va nous filmer pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Le lien de sa chaîne sera en description. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo assez particulière. Je vous explique. Il y a un abonné qui nous a contacté, nous disant être tombé il n'y a pas si longtemps à l'endroit où nous nous trouvons sur une personne se prétendant être d'une association aidant des personnes en Afrique, etc. Donc, apparemment, il nous a dit que cette personne se présentait comme quelqu'un d'une association et demandait des fonds, de l'argent pour construire des puits ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, il avait l'air pas très net. Du coup, l'abonné s'est un petit peu renseigné. Il a fait sa petite enquête de son côté, il nous a apporté toutes les preuves, etc. Et il nous a tout simplement démontré que cette personne en fait était un escroc. Il se faisait passer pour une association alors qu'il ne faisait partie d'aucune association. Et voilà, il essayait de soutirer de l'argent à des gens de manière malhonnête. Donc cette personne, on l'a repéré, il est juste là-bas. Regarde, on le voit au loin. Alors je sais pas si on le voit très bien, de toute façon après j'irai le voir et tout. On peut voir qu'il a comme une espèce de petite feuille en main. Donc apparemment en fait ce qu'il fait, il fait genre que c'est une feuille pour signer des pétitions, etc. Tiens, regarde, je crois qu'il va. Ouais, il va. Regarde, il va demander à quelqu'un. Je sais pas si tu vois. Il lui demande. Ouais, à mon avis, il doit lui faire un espèce de petit speech, etc. Voilà. Non, il a rien donné. Il a rien donné, ouais. Ah, mais à mon avis, ce qui reste et qui fait ça, c'est que ça doit quand même bien marcher pour lui, tu vois. Il a dû repérer son petit lieu, etc. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, aujourd'hui le piéger. On a vérifié, l'association, en effet, elle n'existe pas. Et donc, du coup, cette personne-là que vous avez vu, c'est juste un escroc qui soutire de l'argent malhonnêtement aux gens. Bon, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en planque, hein. On va un petit peu le surveiller, on va voir ce qu'il fait et on va tout simplement le piéger. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes en dessous de cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Alors, je dis pas que toutes les personnes des associations sont des personnes malhonnêtes ou quoi, absolument pas, hein. Il y a des personnes qui œuvrent pour des causes, etc. et c'est vraiment honorable, mais méfiez-vous quand même parce que c'est possible de tomber sur ce genre d'individu comme nous allons piéger aujourd'hui. Bon, tu sais quoi, je vais y aller, je vais aller le voir, je vais lui parler un peu me foutre de sa gueule comme ça, genre on va voir ce que j'en tirerai, tu vois. Ce qu'on fera après, c'est qu'on restera planqué pour essayer de le surveiller et tout, pour voir ce qu'il fait après, tu vois. J'y vais parce que j'espère qu'il va pas partir. Je vais essayer de passer devant lui et on va voir, c'est bon. Vas-y, à toutes. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Ouais. Enfin, quelqu'un qui fait pas le footing, parce que là c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, je vous explique ma situation. Ok. Que j'ai créé une association pour aller en aide aux enfants en Afrique. Ouais. Qui ont pas trop d'argent. Ouais. Pourquoi vous rigolez? Non, mais vas-y, dis-moi. Ouais. C'est pas drôle, je vous parle de petits enfants qui ont pas d'argent. Ah non, ça me fait pas rire du tout, ça, les petits enfants qui ont pas d'argent, c'est pas marrant ça. Ah, mais non, vas-y, dis-moi. C'est peut-être ma tête. Non, vas-y, explique. J'ai fait une pétition pour acheter un puits pour les petits enfants en Afrique. Ouais. Et voilà, donc c'est pour savoir si vous avez un peu d'argent à leur donner ou un petit quelque chose. Je mettrai votre nom et votre signature et au moment de la remise des sous à la fondation, il y aura votre nom et votre... Ok, là, c'est pour remettre de l'argent pour... Pour construire des ponts en Afrique, c'est ça? Des puits. Et vous savez, les petits enfants en Afrique, ouais. Ils ont pas l'eau potable, du coup ils doivent aller chercher l'eau à des kilomètres et tout, du coup c'est vraiment embêtant pour eux. Non, ça c'est sûr, je suis au courant un peu de cette situation. Mais... Du coup, ma question, c'est pour quelle fondation, quelle association, comment ça fonctionne? C'est moi qui ai créé l'association. Ouais. Et ça s'appelle comment? Je n'ai pas trouvé vraiment de nom, mais regardez là, par exemple, j'ai appelé pétition pour acheter un puits pour les enfants d'Afrique, quoi. Ouais, mais le nom de la fondation, c'est quoi? Il y en a pas, c'est moi qui l'ai créé. En fait, je récolte les fonds et je vais moi-même ou... C'est déclaré à l'État, c'est... Non, c'est... Il n'y a pas d'accréditation. Il n'y a pas besoin d'être déclaré ou quoi. Hein. Sûr? Oui, j'ai déjà fait plusieurs fois, après je voyage là-bas... Mais comment ça se passe, en fait? Si je vous donne les sous, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez me donner les sous. Ouais. J'ai un contact en Afrique. Ouais. Et en gros, moi je lui verse les sous et après il s'occupe de la création. Mais comment on est sûr que... Les sous sont reversés et tout? Je fais une petite vidéo et si vous me laissez vos coordonnées, je vous les enverrai. Il n'y a pas de fondation, d'association, j'ai pas trop compris là. En fait. Non, c'est moi qui l'ai créé personnellement. On va dire que je suis auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur? Mais auto-entrepreneur, c'est... Entrepreneur, c'est pour faire de l'argent. Vous faites de l'argent avec ça? Mais non, mais bon, c'est mal compris quoi. Non, je fais pas d'argent avec, bien sûr que non. Auto-entrepreneur. Ce serait malsain. Ah bah franchement, j'ai pas grand chose sur moi, tu vois. Par contre, j'ai une petite, un petit truc, tu vois. Ça m'a tilté. Tu m'as dit que c'était pour construire des puits, c'est ça? C'est ça. Mais c'est pas interdit les puits, genre? Pourquoi c'est interdit? Non, parce que t'as capté, genre, t'as vu dans pierre, feuille, ciseaux. Mais non, mais pas ce puits-là, le puits où il pourrait prendre de l'eau potable. Genre, moi, une fois, je jouais avec un pote, tu vois, on faisait pierre, feuille, ciseaux. Ça n'a rien à voir. Non, mais attends, je t'explique, on jouait avec un pote, on faisait pierre, feuille, ciseaux, tu vois. Est-ce que tu veux donner des sous ou tu veux pas en donner? Non, mais écoute, on jouait avec un pote, on faisait pierre, feuille, ciseaux. Et moi, j'ai fait genre puits comme ça.
Oh, il est arrivé, le mec, patate dans la tête, il m'a mis. Du coup, moi, je l'ai retourné, tu vois, je l'ai fait une technique, regarde, en fait, je te montre. C'est une technique de karaté, tu vois. Non, mais regarde, non, mais t'inquiète. Et j'ai fait comme ça, genre. Tu vois, je l'ai mis un origami, ça s'appelle. Non, mais non, c'est bon, tranquille, je voulais juste te montrer. C'est bon. Tranquille, je voulais juste te montrer. Moi, je voulais vous donner des sous pour les petits enfants. C'est origami, tu vois, genre, tu veux que je te montre. J'ai dit non. T'as vu, t'as aucune esquive, genre, t'as aucun moment de l'esquive comme ça. Il arrive, patate dans la tête. Origami. Si vous n'avez pas le temps, allez vous en suivre. Origami, c'est bon. Reste tranquille, recule, gros. Vous êtes en train de faire, tu veux que je fasse des dons. Non, tu m'agresses, reste tranquille, calme-toi. Parce que si on vous donne de l'argent, maintenant, si on vous barrez. Bah pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont passer, moi je vais leur demander. On peut pas parler un peu de l'association et tout, c'est quoi l'important? C'est d'avoir des sous, c'est de parler, d'échanger, de... On peut échanger, mais si vous commencez à m'accuser de prendre ces dons pour les mettre dans ma poche, moi ça va pas fonctionner comme ça. Juste écoute gros, au pire je te propose un truc. J'écoute quoi? Je te propose juste un truc. Vas-y, dépêche. Moi si tu veux, tu vois, je te propose un truc. Est-ce que t'as des sous à donner ou pas? Non mais j'ai même mieux que ça. J'ai mieux que quoi? Tous les deux, on devient associé. Genre, je veux pas d'associé. On devient associé et genre, on prend 50-50. Du coup, 50-50 de quoi? Tu vas me faire perdre trop d'argent là. Je veux des sous pour le puits. On se met tout dans la poche. On se met rien dans la poche. Voilà, on fait les bails tranquille. Tu vois. Je me mets rien dans la poche. Non mais écoute, gros, moi je te propose un truc, tu vois. Oh, je vais te demander une dernière fois. Ouais. Gentiment. Ça veut dire que tu veux pas donner, moi je m'en fous. Ouais. Tu pars de là. Regarde, des gens ils vont arriver. Là, je vais perdre des sous. Moi. Mais déjà, pourquoi t'es ici? Tu fous quoi ici, gros? Parce que, regarde, c'est des randonneurs, ils sont là à la nature, ils ont peut-être un brin d'Afrique, je sais pas moi. Quoi? Je sais pas, ils ont peut-être pitié pour les enfants d'Afrique et. Tu cherches des gens qui ont pitié en fait. Bah oui, pour donner des sous, normal. Pour te donner des sous à toi, genre. Pour l'association, y'a quoi que tu comprends pas dedans? Bah ouais. Écoute, c'est quoi? C'est pas grave. C'est toi qui vas m'écouter, parce que depuis tout à l'heure je t'écoute. Lâche-moi, gros. Je vais demander gentiment de partir, regarde. Sois discret devant les gens quand ils arrivent, sinon ils vont te faire remarquer. Mais non, je vais pas te faire remarquer, gros. Moi, je leur demande, on fait ensemble. Si tu veux. Je te dis, on devient associé. J'ai pas envie d'être associé. J'ai plein de potes dans la région, on se met. Zéro, gros. Bon, okay, écoute, c'est quoi? C'est pas grave, vas-y, t'es quoi? Maintenant, je vais te barrer. Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, recule. Gros. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Bon, vas-y, casse-toi! Ah! Il a pété un câble, gros. Il a commencé à me jeter sa sandale et tout. Ah, je l'ai rendu fou, gros. Je l'ai poussé à bout. Non, franchement, genre, c'est obligé, ce mec. Ouais, c'est sûr, gros. Ça se voit, genre, quand tu lui parles et tout. Il me dit quoi, le mec? Il me dit, ouais. Genre, c'est moi-même qui le fais, je sais pas quoi, je vais avec lui. Regarde, on va rester là, tu vois. À mon avis, je l'ai fait un peu remarquer, donc je sais pas, je pense qu'il va pas rester trop longtemps, tu vois. Et je te jure, il y avait des gens qui passaient et tout. Ils se faisaient même pas s'approcher, tu vois. Bah, il se casse. Vas-y. On fait quoi? T'es sûr qu'il se casse? Ouais. Il va peut-être plus loin, genre. Il va changer de lieu, mec. Ouais, je crois qu'il va changer de lieu, là. Vas-y, bah, tu sais quoi, on va le suivre. Je vais plus aller lui reparler, tu vois. On va juste le suivre. De toute façon, la nuit va bientôt tomber, là. Dans une heure ou deux heures, ouais, il fait nuit. Vas-y, il commence à aller loin. Viens, vas-y, ferme la voiture. Ouais, vas-y, lui, on le suit. Ah, il est là, regarde. C'est lui. Vas-y, on le suit. Vas-y. Mais quoi, gros, il va où? T'as vu? Il fait quoi? Je sais pas. Il compte des sous. Il compte des sous? Ouais. Ouais. Putain, oui, il a combien là? Putain, pas mal. Il sort des billets de 50 et tout, le mec. Dans un zoom sur les sous là. Il a dû faire une sacrée journée un aujourd'hui. 10, des billets de 20, un billet de 50. Ici, il paye 50 euros. Oh non! Oh le bâtard! Oh non, ça se fait pas, gros. Ils s'en bat les couilles, en fait. Je t'avais dit, gros, l'abonné m'a tout montré. Tout. Vas-y, viens, on va le voir. Viens, on s'en bat les couilles, on va le voir. Ah, mec! Mec! Ah, viens! Viens, suis-nous. Oh, calme-toi, vas-y, viens. Viens avec nous. Viens, suis-nous. Vas-y, laisse-le, viens. Vas-y, viens avec nous. Viens. Vas-y. Ah, mec. Viens avec nous. On va parler. On va parler de quoi? On va parler, viens. On se met là. Viens. On va parler, vas-y, viens. Attends, regarde, c'est quoi? Bouge pas. Garde-le. Bouge pas. Bouge surtout pas, regarde.
Ah, j'ai pris ces pétitions déchirées là. Voilà, regarde. Ça là. C'est quoi? C'est la pétition? Ça c'est pas ta pétition que t'avais tout à l'heure? C'est rien, ça. Touche pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh gros. Maintenant, ça c'est quoi? C'est pas le papier que t'avais tout à l'heure de l'association? Non, c'est rien, ça oublie. Non. C'est quoi? Pourquoi t'as jeté, t'as déchiré ça? Je sais pas, j'en voulais plus, il me servait à rien. De quoi il te servait à rien? C'est pas pour remercier les gens pour les pluies en Afrique, etc. Ah, mais non, c'est moi, on oublie ça, c'est toi bien que c'est du pipeau. Comment ça tu vois bien que c'est du pipeau? Pourquoi t'es là? D'accord. Tu vas voir les gens, tu leur demandes de l'argent, etc. pour une association qui n'existe pas, pour des raisons bidons. Oui. Donc t'assumes complètement en fait. Bon, j'assume, faut pas le dire 40 fois. Donc t'assumes d'être une grosse salope. Ah, ouais, si tu veux, je suis une grosse salope, voilà. T'assumes? Ouais, j'assume. Mais... Est-ce que t'as honte au moins de ce que tu fais, gros? Bah ouais, mais faut bien faire ses sous, tu vois. Franchement, entre toi et moi, gros, t'as honte? Oui, entre toi et moi, c'est tout, mais. Là, tu putain, l'autre gigolo, il me filme derrière sa caméra. Calme-toi, gros. Ouais, je veux pas être sur YouTube. Écoute, tu vas pas être sur YouTube. Ah, écoute. Je vais te proposer un truc. Sors-moi les sous que t'as pris. Tu regrettes ce que t'as fait? Bah oui, je regrette. Vas-y. Pas sous les sous. J'ai presque 200 euros aujourd'hui. Oui. Il reste encore des choses. Non, il me reste rien. Donc ça, c'est ce que t'as volé aux gens aujourd'hui? Ça fait combien de temps? Combien de temps t'as fait ça? 3h, 4h. Donc voilà l'équipe, c'est comme ça que se termine la vidéo. Je suis désolé que ça se finisse de manière un peu brutale. Il n'y avait plus de stockage dans la carte mémoire. Mais voilà, il s'est rien passé de ouf après. En fait, on a récupéré les sous. Une question à vous poser maintenant, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des sous? Parce que voilà, on a récupéré les sous qu'il a volés. On peut pas les remettre aux gens parce qu'on pourra jamais retrouver les gens à qui il les a volés. Il n'y avait pas de contact ou quoi que ce soit. Mais on peut toujours en faire une bonne action. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on en fasse. On va un peu y réfléchir et on essaiera de caler ça dans une prochaine vidéo. Partons d'ici, je t'emmène avec moi. Je te certifie qu'on ira là-bas. Pour une balade, juste toi et moi. Je suis malade, un avenir sans toi.